Good morning, Aleïd et Nétus, aujourd'hui le Nishmat Avram Mordechai Ben Yitzhak Befani Dvora Bat Esther et Moshe Ben Eliyahu Nish. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Yevamot Perek Tet Mishnah Vav Bat Kohen Shenisat Leisrael Lotochal Batruma Met Velaimenu Ben Lotochal Batruma Nisat La Levi Tochal Bemaaser Met Velaimenu Ben Tochal Bemaaser Nisat La Kohen Tochal Batruma Met vela emenu ben tochal batruma. Met benami kohen lo tochal batruma. Met benami levi lo tochal bamaaser. Met benami israel chozeret le bet avia. Valzon emar veshava el bet avia kinorea. Bemilechem avia tochel. Mishnah relativement simple, ça continue l'idée de la Mishnah précédente, mais en fait, pour moi personnellement, elle m'a pris beaucoup de temps pour la préparer. J'avais commencé à préenregistrer le cours avant-hier. J'ai planté, j'ai découvert un truc extraordinaire, mais je vous en prépare à la fin du cours. D'abord, je traduis. Ceux qui vont pas faire très attention, ils vont tout comprendre, sans réaliser qu'en réalité, ça contredit quelques petits points que je vous ai dit dans la Mishnah précédente. Et on va faire un petit peu de clair dans l'histoire, mais en Hachem. D'abord, on continue donc avec la femme qui a endommagé la Trouma et le Maaser, mais je rappelle, il y a un avis selon Rabbi Meir que le Maaser Rishon n'est consommé que par les Lévim et pas par les Bnei Israël, d'accord? Les Mishnah vont selon cet avis, concrètement, c'est pas retenu pour l'Alacha, parce que pour l'Alacha, un Israël a le droit de manger le Maaser Rishon, c'est-à-dire, une fois que je donne la dîme au Lévi, s'il m'invite à manger chez lui à la maison, je peux venir manger le Maaser, j'ai aucun problème de le manger, tandis que le Kohen, s'il m'invite, je peux pas venir manger chez lui la Trouma, ok? Donc on est selon Rabbi Meir, et maintenant on démarre la Mishnah. On parle cette fois-ci d'une Bat Kohen chez Nisset d'Israël, une fille de Kohen qui s'est mariée avec un Israël. Lo tochal batruma. Elle ne pourra plus pas manger de la truma. Soit, donnée très simple, on a une fille qui était Kohen, tant qu'elle est dans la maison de son père, elle est Kohenette, elle peut manger de la truma. Le jour où elle se marie avec un Israël, elle perd son statut de Kohenette, elle devient Bat Israël. La femme va selon le mari, d'accord? Ensuite, Met Vela et Menouben, si son mari Cohen y meurt, mais elle a eu de lui un garçon, ou une fille même, servant même, eh bien, Lotochal Batrouma, elle ne pourra plus repartir manger de la Trouma, d'accord? Elle était Bat Cohen. Il y a un passouk qui nous dit, comme ça va être le ramené à la fin de la Mishnah, Meshavel Bet Avia, Kinouréa, Melechem Avia Tochel, qu'une fois que, si elle était mariée, et que si elle est devenue veuve ou divorcée, Veshava, elle pourra revenir, Veshavel Betavia, elle repartira dans la maison de son père, Kin Urea, comme dans sa jeunesse, Melechemavia Tochel, et elle mangera le pain de son père, donc la Trouma. On déduit de ça qu'elle doit revenir, mais Kin Urea, comme quand elle était jeune fille, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'enfant. Si elle revient sans enfant, alors elle a le droit de revenir. Mais si elle revient avec un enfant qui était Israël, elle ne pourra plus manger. D'accord? On va faire le point à la fin de la Mishnah pour le moment, c'est simple. Donc, Met Vela Menoubet, maintenant, si son mari Kohen, son mari Israël décède, mais qu'il lui a laissé un enfant, Lotochal Batrouma, elle pourra pas manger la Trouma parce qu'elle est plus Kohenet. Nisat la Lévi, elle s'est mariée avec un Lévi ensuite, Tochal Bamaaser, elle pourra manger avec le Maaser, tant qu'elle est mariée avec le Lévi. Elle a un statut de Lévi, parce que la femme va selon le mari, même si en plus de ça, elle a un fils qui est Israël, ça change un problème, parce que dès qu'on est marié, on va selon le mari. Maintenant, Met, son mari meurt, Vela et Menouben, et il lui reste malgré tout un enfant de son mari, eh bien, Tochal Bamaaser, elle aura le droit de manger le Maaser. Parce qu'elle a un fils, Lévi. D'accord? C'est ça qu'il y a une difficulté avec la Mishnah précédente, mais pour le moment, j'avance dans la Mishnah. Ensuite, ce qui se passe, c'est que cette madame-là, elle a eu un enfant Israël, après elle a eu un enfant Lévi, elle s'est dit, si déjà, on va faire le trio, comme ça, ils pourront monter à la Torah entre frères. Ouais. Et donc ensuite, Nisset la Kohen. Elle est partie se marier avec un Kohen. Cette fois-ci, Tochal Bitrouma. Pendant qu'elle est mariée avec le Kohen, elle aura le droit de manger de Trouma. Met Vela et Menouben. Si maintenant, son mari Kohen meurt, mais qu'il lui laisse un enfant qui est Kohen, un garçon, donc qui est Kohen, eh bien Tochal Bitrouma, elle pourra manger de la Trouma par le mérite, par le biais de son fils. Et maintenant, on commence, une fois qu'on a bien construit les trois enfants qu'elle a eus, avec la pauvre déjà devenue veuve maintenant pour la troisième fois. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Met Benami Cohen, il va décéder son fils qui est Cohen,
L'otochal bitrouma, elle ne pourra plus en manger de la trouma. Met benami Lévi, c'est son mari, son fils de Lévi. Non, je comprends, j'explique mieux. On parle qu'elle est bat Cohen, mais elle a aussi un enfant qui est Israël, un enfant qui est Lévi et un enfant qui est Cohen. Pour le moment, la Mishnah en fait elle enseigne qu'on va selon le dernier enfant. Si le dernier enfant il était Cohen, elle pourrait continuer à manger de la trouma. C'est-à-dire, elle peut plus, elle est bat Cohen, mais elle peut plus manger la trouma parce qu'elle est bat Cohen, étant donné qu'elle a un fils, Israël. Mais elle a quand même l'avantage d'avoir finalement le dernier de ses enfants qui était un Cohen. Donc elle pourra quand même manger de la trouma grâce à son fils. Mais ce qui se passe, c'est qu'après son fils il meurt, met b'dami Cohen, son fils du Cohen il meurt, dans ce cas-là, l'autre elle ne pourra plus manger de la trouma. Mais quoi? Bon. Ensuite, met b'dami Lévi, ensuite son fils du Lévi va mourir, et ben elle pourra plus non plus manger du maaser. Met Benam Israël, et si à la fin, son fils, même son troisième fils qui était Israël, lui aussi va décéder, alors là, là elle va avoir, dans sa misère, elle va quand même avoir l'avantage de redevenir une Bat Cohen, et Choseret le Bet Avia, elle pourra repartir dans la maison de son père, c'est-à-dire repartir manger dans la trauma de son père, Belzon et Mar, et sur un cas pareil, la Torah nous a dit, Meshabel Bet Avia qui nourrit un Melechem Avia Tochel. Elle repartira dans la maison de son père, comme dans sa jeunesse, quand elle n'a plus d'enfant, et alors elle pourra remanger de du pain de son père, c'est-à-dire de la trauma. Ok. Voilà pour la Mishnah, je vais synthétiser très rapidement les notions qu'il y a eues, et vous expliquer le grand chidouche que j'ai mis très longtemps à le comprendre, jusqu'à que j'ai cherché dans plein de mes frères, personne n'a expliqué, jusqu'à que quand j'ai ouvert le Rambam, j'ai découvert en fait la raison, j'en ai parlé ensuite avec le Racham, il m'a expliqué, ouais, c'est exactement comme ça, et voilà. Et pendant que je vous parlais, j'ai même découvert des petits chidouchim en plus, mais bon, là, on va pas trop extrapoler. On va rester simple. Pour le moment, tout d'abord, une femme, elle a trois possibilités de manger de la trouma. Soit parce qu'elle est bat Cohen, soit parce qu'elle a un mari Cohen, ou soit parce qu'elle a un garçon Cohen. Je reprends. Soit elle est née d'un Cohen, donc elle est Cohen. Et si elle est née d'un Israël, elle est Israël, elle n'est pas Cohen. Mais elle peut quand même manger la trouma, parce que finalement elle s'est mariée avec un Cohen. Ou encore, elle peut même se marier la trouma parce qu'elle a un fils Cohen, et pas un fils qui naît avec par un mariage, forcément. Même si, comme on avait vu dans les méchantes précédentes, même si le Cohen il est parti avec elle, avec une jeune fille d'Israël, et qu'il lui a donné un enfant, il y a une halakha que, autant que son père, il permet à sa généalogie par en haut, lui permet de manger la trouma, sa généalogie aussi par en bas, aussi lui permet de manger la trouma, c'est-à-dire que si elle a un fils Cohen, elle pourra elle aussi manger de la trouma. Ou son mari. Maintenant, dans toutes nos Mishnayot, on s'intéresse à comprendre le rapport de force entre les trois. Qui est le plus prioritaire? On peut déjà conclure que, par exemple, le plus grand prioritaire, c'est le mari. Ça veut dire, dès que, peu importe si elle est bat Israël et si elle a des enfants d'Israël, elle devient la propriété du Cohen. Et ça, dans le passage qui nous dit, « Nefesh, les Cohen qui ne nefesh qui n'en kaspo, ou yuchal belachmo » Un Cohen qui acquiert un bien, ça peut être un esclave, ça peut être une femme, c'est aussi un bien qu'il acquiert. Et bien, dans ce cas-là, son Kinyan Kaspo, il pourra, son bien qu'il a acquis, il pourra manger de la trauma. Ça, c'est le plus fort, c'est le Cohen. Après, en deuxième position, ça va être le fils. Le fils aussi, il permet à sa mère de manger. Même si son mari ne pouvait pas lui donner à manger, comme on a dit qu'ils n'ont jamais été mariés, mais elle a eu un enfant de vie, ça c'est déduit d'un autre passage qui nous dit « Vilid beto hu yochal belachmo hu yachil belachmo » que Yelid beto, si celui qui est né chez elle, eh bien, il pourra faire manger à sa mère de la trouma. Il va lui octroyer le droit de lui donner, de manger de la trouma. Et il y a aussi la trouma. Ça, c'est lui qui l'emporte toujours. Le fils, il l'emporte par rapport... pas toujours. Dans la priorité, il y a d'abord le mari qui l'emporte. S'il n'y a pas de mari maintenant, on va s'intéresser. Bon, alors, c'est qui son ascendant et c'est qui son descendant? Mais son descendant, il l'emporte sur l'ascendant. C'est-à-dire que si elle a un fils Cohen, alors que son père, il était Israël, elle pourra manger. Alors que si elle avait un père Cohen et un fils Israël, elle ne pourra pas manger, parce que le fils Israël effectue, t'es plus dans la maison de ton père. Ok? Si maintenant, troisième possibilité, elle a ni mari, ni enfant, alors là, on va s'intéresser à savoir c'est quoi son yichus, c'est quoi sa généalogie par rapport à son père. Si elle appartient au Cohen, elle pourra manger. Si elle appartient pas au Cohen, elle ne pourra pas manger. Tout ça, c'était relativement clair. La complexité qui s'est passée, ça se passe comme ça. J'avais pas fait attention à un détail, et j'ai d'ailleurs cherché la source de ça, je ne l'ai pas trouvé. J'ai vu que c'est écrit, mais en tout cas, je n'ai pas trouvé pourquoi c'est comme ça. C'est que je vous ai dit que le fils, il permet à sa mère de manger, même en rapport, même si sa mère n'a jamais été mariée avec un Cohen. Maintenant, petite question, qu'est-ce qui se passe si une femme, elle ne s'est jamais mariée,
mais elle a eu un rapport avec un Cohen qui lui a donné un enfant Cohen, et un rapport avec un Israël qui lui a donné un enfant Israël. Ouais. Alors là, dans ce cas-là, la Mishnah précédente, elle m'a appris qu'elle ne pourra pas manger. On ne va pas dire, ah, puisque tu as un fils Cohen, dans ta descendance, tu as un fils Cohen, tu peux manger. Parce que tu as peut-être un fils Cohen, donc tu es un peu à moitié Cohen, mais tu as aussi un fils Israël, donc tu es à moitié, il n'est pas Cohen, tu es à moitié Israël. D'accord? Ouais. Ça, c'est écrit méforage dans la Mishnah précédente. On regardait que quand elle s'était mariée ensuite avec quand elle s'est mariée avec l'Israël, et cet Israël, l'autre Khalvatouma, Velo Bemaser, dès qu'elle s'est mariée avec l'Israël, même si le mari Israël il meurt, il lui reste un enfant Israël, même si elle a un, parce un enfant Cohen, un enfant Lévi, elle ne pourra pas manger parce qu'elle a eu un enfant Israël. D'accord? Et il en va de même aussi, si elle a eu donc des rapports sans s'être mariée avec quelqu'un. La complexité qui s'est passée dans la Mishnah, c'est qu'en fait c'est écrit mes forages dans la Mishnah. Et pendant que je commençais à enregistrer le cours, je me suis dit qu'il y a un bug. Et en fait, j'ai découvert quelque chose. C'est que si toutefois, je vous ai dit, imaginez une femme qui a eu un rapport avec un Cohen, elle a eu un Cohen, et puis après un rapport avec un Israël, elle a eu un Israël. Parce qu'elle a deux enfants, mais un qui est Cohen, mais un qui n'est pas Cohen, donc elle ne pourra plus manger parce qu'elle a un enfant qui n'est pas Cohen. Un enfant Cohen ne suffit pas d'en manger, il faut que tous les enfants soient Cohen. Mais malgré tout, il y a quelque chose d'original qui se passe dans la Mishnah, c'est écrit mais explicitement, reprenez-la, vous verrez, que si elle s'est mariée avec un Israël, et elle a eu un enfant, et après elle se marie avec un Cohen, pour le moment tant qu'elle est mariée, elle mange grâce à son mari. Si après son mari décède et lui reste un enfant Cohen, il y a écrit dans la Mishnah qu'elle peut manger de la Trouma. Et c'est une vraie contradiction apparemment. Elle a un enfant Israël et un enfant Cohen. Et là cette fois-ci tu me dis qu'elle mange de la Trouma. Pourquoi? Apparemment parce que le dernier mari il était Cohen. Mais que ça peut me faire, elle a aussi un fils Israël. Si cette femme-là elle vient manger par le biais de son fils, comme on a dit qu'un descendant octroie à la mère, un enfant octroie à la mère le droit de manger de la trouma. Mais que si un enfant Israël, ça lui casse le droit. Alors là, j'ai pas compris. Elle s'est mariée avec un Israël, elle a eu un enfant Israël. Après, le mari meurt, il reste l'enfant. Après, elle s'est mariée avec un Cohen, le mari meurt, il lui reste un enfant Cohen. Et là, tu me dis qu'elle peut manger de la trouma. Ça se contredit, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a quelque chose de très original que j'ai découvert. C'est qu'en réalité, il y a quelque chose de particulier. Avec le fait que, comment je veux dire, je vous ai dit qu'il y avait trois manières de manger, en fait il y a trois manières et demie. Soit parce qu'on a un père Cohen, soit parce qu'on a un mari Cohen, soit parce qu'on a un fils Cohen, mais il y a quelque chose d'un petit peu plus subtil, c'est que quand la femme elle se marie avec le Cohen, et qu'il lui reste un enfant tandis que son mari elle meurt, cet enfant qui donne à manger à sa mère, il donne à manger de deux manières. D'une part, parce qu'il est le fils, parce qu'il a un fils Cohen qui donne à manger à sa mère, mais en plus de ça, parce que pour le moment, il continue le mariage de son mari. Comme si son mari, quand il est mort, s'il reste un enfant, il n'est pas mort, il est encore là. La maison qu'ils ont fondée, elle est encore là. Vous avez compris l'idée? Genre, elle a commencé à marier avec un Cohen. Elle était Cohenette. Elle a un enfant Cohen. Son mari meurt, elle reste encore dans la maison du Cohen, elle reste dans la maison du dernier. C'est-à-dire qu'en réalité, le fils qui permet à sa mère de manger, il permet à sa mère de manger de deux manières. D'une part, parce que d'abord, un fils Cohen permet à sa mère de manger. Mais en plus de ça, parce qu'il est la continuité, le reste de la maison de sa mère qui a été fondée. Du Cohen. La maison de son père plutôt qui a été fondée. Que même s'il décède, la maison reste. Mais là, ce cas-là, ça va nous faire une anarchie originale. Qu'on va partir selon le dernier. C'est-à-dire que si elle s'est mariée avec un Israël, et en fait, c'est comme ça, c'est écrit dans le Rambam aussi, c'est comme ça. Le dernier fils, il continue le mariage qui a été fait par la mère. Par le père qui est décédé. C'est-à-dire qu'en fait, pour prenez cette femme-là, peu importe, c'est avec Bat Cohen ou Bat Israël, on s'en moque. Elle se marie avec, tout d'abord avec un Israël, un garçon, son mari meurt, elle se marie avec un Cohen. Dernière maison, c'était quoi un Cohen? Elle peut manger de l'être humain. Mais si elle commence à se marier avec le Cohen, son mari meurt, il lui reste un enfant. Après, elle se marie avec un Israël, son mari meurt, il lui reste un Israël. Ah, le dernier enfant, c'est un Israël, elle a un statut Israël, parce que la dernière maison qu'elle a fondée, c'est Israël. Et cette maison-là, elle continue. Ça, c'est encore une maison d'Israël. D'accord? Et donc, elle garde un statut d'Israël. Donc, on s'intéresse doublement. Par rapport à l'enfant, l'enfant il va donner à manger sous deux aspects. D'une part, parce qu'il est un enfant permet à sa mère de manger, mais des fois, ça bug, ça ne marche pas dans tous les cas, parce que si c'est juste par rapport aux enfants, s'il y a un enfant Cohen et un enfant Israël qui sont là, eh ben, l'enfant Israël il va l'emporter, il va déteindre sur la mère, qu'elle va faire que tu n'es plus connaître, tu ne peux plus manger. Mais elle va quand même pouvoir manger si toutefois le dernier mariage qu'il y a eu, c'était le Cohen et qu'il reste encore une continuité de ce mariage, par l'enfant qui est encore là, dans ce cas-là, elle pourra continuer à manger.
Parce que, en fait, je sais pas comment dire, parce que c'est grâce à l'enfant, parce que c'est grâce au mari qui est encore vivant par l'intermédiaire de l'enfant. D'accord? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.